Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di A Plague Tale Requiem, qui con RanaGamer83. Oggi siamo qui, siamo arrivati da questo cunicolo infestato da, penso, guano di topo, non so che cazzo è, boh. E dobbiamo andare avanti all'interno di queste rovine, di questa specie di cripta enorme, questa cattedrale, non so. Ed eravamo rimasti che dovevamo... La nostra missia doveva buttare giù questa roba qua. En effet, soyez prêts à courir, au cas où. Corriamo per sicurezza, sì. C'est un ponte. Foutu forteresse souterraine. On continue. Fortezza sotterranea, ok. Ça a l'air d'aller jusqu'à l'autre bout. Mais il en manque une partie. Oui. E qui? Regardez, ici, il y a un passage qui descend. Bon, il est raide, mais je vois. Oh madonna, ragazzi, ma dobbiamo andare di qua? Ça pourrait faire l'affaire. Je passe devant. Attention. Fai attenzione. Cosa più un tase? Quindi noi percorreremo la parte sotto e loro andranno avanti sul ponte. Ok, sì. Probabilmente dovremmo fare così. Va tutto bien. Juste un peu secoué. Au moins maintenant on sait. C'était pas une bonne idée. Comment tu vas revenir? Je vais jeter un œil et voir ce que je peux faire. Attendez-moi. Sois prudente. Oui. Bon. Comment je vais m'y prendre pour les rejoindre? Oh mais ces chaînes. T'es contre quoi? Ils soulèvent les parties du pont. E voilà! E anche questo ce l'abbiamo fatta! Eh, je sais pas ce que t'as fait, mais ça a marché! Ce sont ces chaînes! Elles contrôlent le pont! Allora, quindi... Une autre partie! Par là! Très bien! Je vais continuer et voir ce que je peux y faire! On t'attendra! E voi aspettate! Va bien se passer. C'est la jeune fille la plus débrouillarde que je connaisse. C'est vrai. Mais elle est toute seule et ils sont beaucoup. Tu la connais. Elle a déjà fait ça plein de fois, non? Ah, aspetta. Ah, sì, sì, ho capito. Allora, prima di tutto raccogliamo. Moi aussi je suis terrifiée. Ok. Mais ça veut pas dire qu'on est pas assez fort. Dopodiché prendiamo la freccia. Oui. Dopodiché. Ça reste entre nous. Dopodiché il cazzo, perché non so... Aspetta. Vediamo se riusciamo a... Ah, no, aspetta. No. Ok. Prendiamo il nostro bastoncino. E come lo illuminiamo il bastoncino? Non lo so. Se prendiamo la freccia ci ammazzano, come minimo. Aspetta, facciamo così. Lascia. Allontaniamo, ok. Ok, poi prendiamo questo, no, e illuminiamo questo, ok, poi non so bene adesso cosa fare. Potremmo attirarli, vediamo. Materiali in su, no, ok.
Non basta. Vabbè, però se muori anche per fare sta cosa. Ok. Ora sto. Sono al sicuro, mezza morta, però sono al sicuro e vai. Sono passata così. Anche senza poterlo fare. Ok. Passiamo di qua. Raccogliamo questo, ok. Non abbiamo più... Ah, vasetti. Vabbè, ce ne faremo una ragione. No? Recupera, ok. E dove cribbio dobbiamo andare, però? Ritorniamo indietro di qua. Sono al sicuro, ma dove cazzo devo andare? Ah, qui, ok. Ok. Fa che sia semplice, in effetti. Ah, bobo. Spero che je ne me suis pas trompé. Sì, lasciamolo stare quello. L'ho visto il loot, però. Andare, no, invece. No, la pece. La pece ci farà arrivare qua. Ok, perfetto. Ah, dobbiamo usare quella. Ok. Sì, dobbiamo... Dobbiamo colpirlo adesso, col fuoco. Madonna santa, che burdella. Torno al carretto. Sembra facile a dirlo, eh. Ah, facciamolo da qui. Aspetta. Ok, torniamo al carretto. Ah, perché ci bloccava il passaggio. Non concentre-toi. Trouve Basilius. Ho capito. Tout ce qu'il y a à trouver est sorti d'ici. No, in questo momento non voglio lottare niente. Non mi interessa. Ah, c'è la scala, ottimo. Non mi interessa lottare. Voglio salvare la pellaccia.
Io sì, invece. Ero molto spaventata, invece, a dir la verità. Guarda, guarda come fa... Che topi mi fa spaccare. Bene, ragazzi, siamo qui. Sì, però andiamo, dai. Tu va bien. Laisse-toi aller. Vous voulez qu'on fasse une pause? Non, il vaut mieux y aller. Je suis là maintenant. En route. Je me sens triste. J'ai peur, Amicia. Je sais. On a traversé beaucoup de choses. Mais c'est comme si... s'il y avait quelqu'un dans ma tête. No, non mi interessa. No, no, vabbè. Basta, non se ne frega un cazzo. Basilius? Peut-être. C'est très lourd. No, niente loot a sto giro, non mi interessa. Pazienza. Ça veut sûrement dire qu'on se rapproche. Ce ne faremo una ragione. Il est temps de voir où ça mène. Qua si può andare. E di qua no, perché non ci interessa. Ok. Ok, possiamo andare di qua, ragazzi. Ottimerrimo. Oh, sempre peggio, però, eh. Étouffant. Non, c'est mal. C'est très mal. Qu'est-ce qui se passe? C'est là. Tutto molto, molto preoccupante. Mais il le faut. Il le faut. Oh, ça me dit rien qui vaille. No, non promette per niente bene. On dirait une cathédrale. Ils infestata, però. Alors, il est en bas? Oui, au cœur de tout ça. Ça ressemble à ce que le dernier seuil provoquerait. Aelia n'a pas réussi à le rejoindre. Et voilà ce qui est arrivé. Et alors? Il s'est passé quoi? Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Et che cazzo ne ciò sappiamo noi? Il le faut. Il t'a amené ici. C'est... ton héritage. Donna raga, però. Je veux pas d'héritage. Je veux être normal. Ego. Pour que les choses reviennent à la normale, tu dois vivre. C'est ce que tu veux, mais je continue à tout gâcher. Mais tu ne le fais pas exprès. Oula, che spirale. Je sais que c'est dur, Hugo. On se connaît pas très bien, toi et moi. Mais je sais que tu mérites une seconde chance. Madonna, raga, ma quanto è lunga sta cosa? Oui. Meglio questo, dei soldati, per carità. Non c'è neanche un lutto. Je veux qu'il sorte de ma tête. On y est presque. S'il se trouve ici, alors ce qui peut te sauver aussi. A quoi ça sert? Si je finis encore par... Madonna, ragazzi! Je peux pas! Lo devi prendere in braccio? Prendilo in braccio, dai. Petit trésor. Je t'en prie, je sais. Non, tu sais pas. Pourquoi tu fais ça? Amicia. Viens, je vais te porter. On va le faire ensemble. Non potrebbe portarlo Sofia. Andiamo. Je suis désolée que tu dois subir ça. Je le fais pour toi. Je veux me reposer. Lo facciamo per te, tu Hugo, dai. Non rompere il cazzo. Tu dois vivre. J'ai besoin de toi. J'ai peur de moi. Bisogna finire sto cazzo di gioco. Tu vivras. On se battra. On tiendra bon. Oh, vediamo un po' cosa succede adesso. Moriremo tutti, ragazzi. Moriremo tutti. Allez. Viens. Non è molto convinto, Manco io. Ma andrei a casa. Come diceva lui all'inizio. Possiamo ancora andarcene, ragazze. Chi cazzo è? Oh, mamma. Est-ce que c'est... Minchia, ragazzi, i brividi. Il l'ho enchaîné, le pauvre. Mais pourquoi? Perché? Perché adesso lo scoprirai. Parce qu'ils avaient peur de lui. De son pouvoir. Lo scopriremo. Voilà pourquoi ils ont bâti tout ça. Ils ont toujours eu peur. Ils ont tué un enfant. Il a appelé les rats. Ils se sont frayés un passage à travers les murs. C'est le point de départ. De quoi? La peste de Justinien. Il était triste.
Il était très triste et en colère. C'est pour ça que la Macula nous a amenés ici. Il doit y avoir quelque chose. Un parchemin. Ragazzi. Quelque ragazze. Chose. Rien du tout. Ragazze. Aelia. Elle a échoué. C'è qualcosa che bolle lì dietro. Amicia. Ragazze. Elle a échoué, Sofia. J'ai entendu. C'est pas juste. Quand je mourrai, tu ne vas pas mourir. Ragazze. Ragazze. Non, Hugo. Il n'aurait pas dû mourir. Quand ils l'ont séparé de sa protectrice, il a perdu espoir. Il a qualcosa cédé che à bolle. Et il les a tous condamnés. Il a eu raison. Non, écoute. Si seulement elle avait pu lui dire quelques mots, il aurait su qu'il n'était pas tout seul. Ragazze. Il aurait vécu. Et épargné beaucoup de vies. Tu comprends? Tu vas vivre. Et moi, je serai là. Je te donnerai la vie que tu mérites. Une vie sans combat. Tu veux ça? On va se trouver un refuge. Ils ont pas vraiment l'air d'accord. Que se passe-t-il? Il faut partir. Corri, 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 corri. Corri, 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 corri. Ils veulent pas que je parte. Ils ne t'auront pas. Économise ton souffle. Reste avec moi. Oh, non. Mon porte. Sofia. Sur ta gauche. La porte cassée. Sofia, Hugo. Dove cazzo dobbiamo andare, ragazzi? Ils sont très en colère. Non ho mica capito dove devo andare. Madonna ragazzi qua. Che roba è? Sì, ma Sofia ci vuole aspettare o vuole solo salvarsi la pellaccia e basta? Adesso dobbiamo correre così, io odio correre in questa maniera. Io odio correre in questa maniera. Il contrario è bruttissimo. Che lo fa, ragazzi? Rifare tutto al contrario velocissimamente però a sto giro. Porca puttana ragazzi. Madonna. No, dites-moi qui sont restés là-dedans. Boh, chi lo sa, Sofia. Personne n'est blessé. Hugo, c'était trop horrible. Minchia, puoi dirlo. Je suis désolé que tu aies vu ça. È stato c'est horrible. La Macula sait s'y prendre avec les enfants. Ils l'ont attachée à des chaînes. Oui, mais toi tu vas vivre. C'est ça le plus important. Non, ce n'est pas le plus important. J'ai peur que tous les gens soient aussi méchants qu'eux. Ah bah. J'ai peur de ce qu'ils veulent me faire faire. Tu as raison. Écoute, il y aura toujours des gens dans le monde pour faire des choses terribles. C'est dans l'ordre des choses. Mais crois en toi et en tout ce que tu peux faire de bien. Il y a des gens comme ça aussi, pour qui ça compte vraiment, qui veulent que tu aies une belle vie, des amis... Comme moi. Les amis, ça sert à avoir envie d'être meilleur. Si tu en doutes, je comprends. Mais aie confiance en moi. Aie confiance en nous. Puoi fidarti, Hugo, fidati, fidati. J'ai confiance. Je suis on trouvera notre chez nous. Allez, quittons cette île.
On a un bateau à récupérer et une mer de rats à traverser avant. Ils ne nous arrêteront pas. Tout est différent maintenant. Oups. Ok, quindi... 12° capitolo. La vita che meritiamo. Eccoci qua. Dobbiamo ritornare indietro. No, dai. Savent déjà comment combattre les bestioles. Ça ne les sauvera pas éternellement. C'est trop tard. On s'en va. Mais... Il ne s'agit plus uniquement de cette île, Hugo. Nous devons partir, ou tout sera condamné. Dove cazzo dobbiamo andare però, ragazzi? Raggiungi il porto. Di qua? Penso di qua, sì, mi sono rotto i coglioni dei topi. E invece no, perfetto. E se andassimo di qui? No, vero? Aspetta. Di qua non ce lo fanno fare. Di qua siamo arrivati e ci hanno chiuso i topi, ok. Di qua non si scende. Ok, perfetto. Sì, sì, è giusto di qua. Niente, dobbiamo avere ancora a che fare con questi cribbio di topi. È tutto così, è tutto così. Descends prudemment. Oui. Oui, c'est moi. Il est mort. Vabbè, sì. Prendiamola. Désolé. Oui. Désolé. Ah, ok, però molto più facilmente adesso. Perché la torcia non si spegne. On agit de manière sûre et réfléchie. Aucun risque inutile. Hugo, si tu te sens bizarre, tu nous le dis tout de suite. D'accord. J'ai hâte de quitter ce rocher. Ah bon? E guarda qui i topi che impazziscono. Venez. Hé, madame. Quoi encore? Vous êtes l'invité de la comtesse. Êtes-vous blessé? Non. Nous avons ordre de vous escorter jusqu'au palais. Veuillez me suivre. À vrai dire, nous étions sur le point de partir. On vous demande. Vraiment? Qui? Votre mère et un garçon. Oh, bien sûr. Ragazzi, la madre, tu Lucas. Tu crois qu'elle va nous gronder? Je ne sais pas. On devrait aller la voir. Ça fait très longtemps. Fantastico, rivediamo la mamma. Je suppose qu'on n'a pas trop le choix. Waouh. Regardez-moi ces deux-là. Seule une mère possède un tel pouvoir sur quelqu'un. Très bien. Vous savez quoi? Je vais retourner au port préparer le bateau. Rejoignez-moi dès que vous pourrez. Prends ça. Quoi qu'il arrive, garde cette torche allumée, d'accord? Oui. Fais attention. Fais attention. T'en fais pas. J'ai beaucoup appris de vous deux. Fais attention. Passez devant. Qu'est-ce qu'on va lui dire? La vérité. On a trouvé ce qu'on cherchait. Et je suis la seule fautive. Je te défendrai. Mon héros. Vite! Bougez avant qu'il... Est-ce que le palais va tenir, monsieur? Pour le moment, allumez-moi le comte a ouvert les portes à la population, mais... Il y a tellement de morts et de blessés. On a vu ça. Attention! Reculez! C'est comme celui qu'on a vu. Celui qui était cassé. Chut. Ouais. Où l'ont-ils trouvé? Vous serez en sécurité tant que vous restez dans ce périmètre. Mais en dehors, sans lumière... Oui. Par ici. On sait. En tout cas, vous êtes en sécurité désormais. Dobbiamo andare dalla mamma. Mais vous n'avez pas prévu d'évacuer? Pas encore. Pas avant d'avoir rassemblé tout le monde. Infatti stavo per accendere io il fuoco. Accendete questo cazzo di fuoco, ragazzi. On dirait la guerre. Venez me donner un coup de main. Les rats poussent sur le flanc est. Il faut des torches là-bas. Ils devraient évacuer. Oui. Personne ne peut gagner contre eux. On a besoin pour les blessés. Les combattants à l'intérieur. Les affaires. Libérez le passage. Vous pouvez les amener à l'intérieur. Très bien, je comprends. Bonne chance. E vai, la mamma. E Lucas anche.
Il faut les garder allumés. Une seule brèche peut finalmente faire me ne ero completamente scordata di loro due. Alors tu es mort. Gardez les feux allumés. T'as réparé le piston? On a besoin de ce chariot sur les remparts et vite. Encore un autre. Lâche-moi un peu. Cette chose est tellement vieille qu'elle peut exploser à tout moment. Fa strano, passare in mezzo ai soldati. Il y a des blessés ici, c'est pas beau à voir. Le petit devrait détourner les yeux. J'ai déjà vu du sang. Essaye quand même de ne pas regarder. Il y en a encore plus. Mon bras, ça brûle. Ça brûle. T'es mordu. Il vin brûle. Ça va bientôt se répandre. C'est fini. Laisse-le partir. Non. Non. Reprends tes esprits. Ce sont des rats de la fresque. D'autres blessés arrivent. Ça veut dire que l'enfant va apparaître. L'enfant est censé nous amener vers les jours radieux. Pas à ce carnage. Silence! C'est pas le moment de se disputer. Tes enfants. Oh. Finalmente ci riuniamo di nuovo alla nostra famiglia. Che mi soit le compte di questa nourriture. Ce n'est pas grand chose, mais on doit rationner. Prions pour que ce cauchemar se termine vite. Tout ça, c'est de ma faute. Chut, je t'en prie. Non è colpa tua, Ugo. Colpa del gioco. Ce n'est qu'une épreuve à laquelle nous soumet l'enfant. Ne perdez pas la foi. Les rats annoncent vraiment sa venue. Pourquoi est-ce qu'il veut nous tuer? Vous aussi. Apaisez vos cœurs. Priez pour lui. Ne faites que prier. Oh, ragazzi. A meno che non sia una trappola. No, no, ci sono veramente, ok. Seigneur, vous êtes vivant. Mère, viens voir. Via, s'il te plaît. Mère, ora hanno trovato una cura nel frattempo. Ta tête. Ça va, ne t'en fais pas. Comment nous avez-vous trouvé? Vous n'avez pas été très discret. Mais dis-moi, c'est bien celle-là? Votre île? Celle que tu as vue dans ton rêve? Il y avait un autre porteur comme moi. Un autre porteur? Oui. À l'époque, au 6e siècle. Basilisco. Il y avait un enfant, Basilius. Nous l'avons retrouvé enchaîné, dans une prison spécialement conçue pour lui par l'ordre. Quoi? Je pense qu'ils ont paniqué quand il a atteint le dernier seuil. Ils l'ont séparé de sa protectrice. Ils l'ont enfermé pour contenir ce qui allait se passer. Une nouvelle peste? Au 6e siècle, c'est... La peste de Justinien. On se doutait que c'était lié à la Macula, mais... Alors ça a commencé ici, avec ce Basilius. Mais c'était pas de sa faute. Il était juste tout seul et il avait peur. C'est ça. Mère, d'après Vaudin, Hugo ne serait pas censé survivre. Mais l'ordre fait fausse route depuis le début. La preuve, c'est qu'ils se sont trompés avec Basilius. S'il avait eu sa protectrice, comme Hugo nous a, nous, sans doute que rien de tout ça ne serait arrivé. Lo dici tu, questo. Si on y réfléchit, au cours de ces derniers mois, sur la route, tout était vraiment calme, tout allait bien. Il allait bien. C'est vrai. Je suis persuadée que si nous trouvions un endroit paisible, où l'on pourrait vivre en famille, peut-être que la peste s'arrêterait, à la longue. En tout cas, ça ne pourrait pas être pire. La peur nous a vraiment aveuglés, en effet. Mais pas toi, protectrice. C'est vrai. Vous vous souvenez de notre maison dans les montagnes? Ce serait parfait. Oui, et même qu'on sera tous immenses. Veuillez m'excuser. Le comte souhaite vous voir. Aïa. Moi? Maintenant? Nous étions sur le point de partir. Il s'agit du comte de Provence, madame. Oui. Nous t'attendrons. Nous sommes plus en sécurité ici, de toute façon. Bien. Menez-moi à lui. Aia. Aia, 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 ragazzi. Si complica la cosa. Mi sa che non ci vogliono lasciar partire. Suivez-moi. Savez-vous ce que le comte attend de moi? Non. Je pensais qu'il serait occupé par des choses plus urgentes. Vous voir doit être urgent. Agissez avec dignité en sa présence. Ce sont des temps sombres. Il est touché, comme nous tous. D'accord, je le ferai. La porte principale est sécurisée pour le moment, mais le mur ouest est toujours fragile. Si les rats entrent par là, nous ne pourrons pas évacuer les blessés.
Maintenant, je veux savoir d'où viennent ces... Attendez là. Envoyez des éclaireurs. Si on trouve un moyen de les ralentir, les arrêter ou les envoyer en enfer, ça en vaudra la peine. Messire, elle est ici. Bien. C'est une guerre comme aucune autre. Mais ça reste une guerre. Rompez et gardez la foi. Rien n'est encore joué. Oui, messire. Oui, messire. Oui, messire. Viens, j'ai besoin de toi. Très bien. Messire. Segui il conte. Ah, figurati. Segui il soldato, segui il conte. Vous avez donc survécu à ces monstres? De peu. Je suis désolée pour vos terres. Un seigneur doit savoir qu'aucune paix ne dure jamais. Mais je dois avouer qu'après des années de guerre, j'avais osé espérer que cette paix durerait. Je comprends. Les plaies sont toujours à vif. Elles occupent l'esprit quand tout ce que l'on désire est du repos. Désolée, je... Non, non. C'est exactement ça. C'est humain. Je crois. Vous avez raison. Mais malgré tout, nous répondons toujours à l'appel du combat. Oui. Je vous en prie, mes frères, mes sœurs, n'ayez crainte. Les rats sont les héros de l'enfant des presses. Il reviendra bientôt parmi nous. L'enfant va vraiment venir? Tous les signes le montrent. Vous voulez dire les rats? Pas seulement les rats. Viens, vois par toi-même. Oui. Oh oh. Non. Bah. Lo sapevo. Emily veut l'enfant, Amicia. Je regrette, mais c'est sa décision. De quoi parlez-vous? Elle sait que ton frère est l'enfant des braises. Elle veut Hugo, c'est pour ça que tu dois mourir. Non, non, écoutez, vous vous trompez complètement sur cette histoire, sur votre culte, sur tout. Tu as sûrement raison, car j'ai presque tout inventé. Et je l'ai fait pour elle. Quoi? Emily, ses maudits parents ont brisé son esprit au point qu'elle attente à sa vie et empoisonne son corps. Alors je l'ai amenée ici et je lui ai offert cette histoire d'enfant des braises. Elle ne l'a pas seulement cru. Elle l'a transformée en espoir pour tout un peuple. Qu'essaies-tu de faire? Accepte ton destin! Sois maudite! Hugo, cours! Dove cazzo devo andare, ragazzi? Qui. Vas-y. Je ne la perdrai pas. Pas pour toi. Allez, au diable. Où crois-tu aller? Vous ne l'aurez jamais. Ah, ok, di qua. À droite. Allez. Vite. Tu ne peux imaginer ce qui est en jeu. Va en enfer, Arthur. J'ai essayé d'être patient. Non. Non. Tu ne l'auras pas. Non avevo dubbi. Non avevo dubbi che la cosa si peggiorava. Eh, qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin d'aide, je vous en prie. Comment je sors d'ici? Qui êtes-vous? Ma sì, chi se ne frega, dai. Derrière ce mur. Tais-toi. Tout le monde dort. Reste hors de vue. C'est entre toi et moi maintenant. Che devo fare? Je dois bouger. Je te vois. Derrière ce mur. Tais-toi. Tout le monde dort. Reste hors de vue. C'est entre toi et moi. Courir ne sert à rien. Alors, on fait des quoi? Niente. Finissons-en. Je sais que ça semble injuste, mais tu ne sais pas ce que ça implique. Ah non, mais après, tu dis non, ma bastardo. Je sais que ça semble injuste, mais tu ne sais pas ce que ça implique de régner. La guerre, c'est si simple. Tu sais bien que tu n'as nulle part où aller. Ok. Devo correre, scappare via, 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 scappa, 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 scappa. Hey, qu'est-ce qui se passe? Reculez. Tu n'as pas le droit d'être ici. Ma perché quel bastardo, me? Hey, qu'est-ce qui se passe? Reculez. Ah, di qua, ok.
Devo scappare, devo scappare. C'est trop tard. Elle sait qu'il existe. Devo scappare, devo scappare. Devo scappare, devo scappare. Scappiamo allegramente. Ah! Dio. Fifi. Ne t'approche pas de moi. Tu comprends donc pas? Tout ça te dépasse. Rends-toi. Dio Fifi. Devo tornare indietro. Vous allez tous mourir si vous nous l'enlevez. Ne sois pas si dramatique. Dove cazzo sto andando però, ragazzi? S'en moquera totalement. Abandonne. Tu as vécu dans le mensonge trop longtemps. Tu ne vois plus la vérité. C'est que tout est corrompu. Boh, io non so che cazzo sto. La seule raison pour laquelle ce monde n'est pas en train de brûler. Mais nous protégerons ton frère de cette putain. Minchia, raga, però scappare così mezzi monchi non è bellissimo. Non, okay. Pitié, pitié, n'importe quoi. Fort, tu verras. Non, enfer. Je dois retrouver les autres. Vite, il y a forcément un moyen de retourner en haut. Il m'a démoli l'épaule pour de bon. Ça fait mal. Dove devo andare, però? Une porte. Il doit y avoir un moyen de l'ouvrir. Dov'è la porta? Non lo vedo la porta, ragazzi. Lei l'ha vista, ma io no. Pipini, il brevi. Allora, di qui siamo arrivati, ok. Ah, di qua, qua, qua. Ok. No. Silenzio. Di qua, di qua, di qua. Ok. Silenzio. Qua non c'è niente. Di qua. Oh, dove si esce, ragazzi, però? Ah, di qua. Ok. Qua c'è qualcosa. Ok. Tu as choisi la manière forte. Pas le temps, vite, cours. Je t'entends, la peur te rend négligente. C'est bleu, vite. Cette cachette ne te sauvera pas. Sì, il cazzo. Spostarti in silenzio, come si fa a spostarsi in silenzio? Dov'è il coglione qua? No, qui. Cribbio, no!
Dai però, scappa, porca mignotta. Ok, allez, 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 allez. Che sortie, donnez-moi une maudite sortie. Di qua, di qua, di qua, di qua, di qua, di qua. Tu es infatigable. Si seulement mes hommes étaient aussi déterminés que toi. E dov'è l'uscita, ragazzi, però? No, 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 merda. È l'uscita quale cazzo. Ok, adesso dobbiamo solo cercare la porta che non ho capito dov'è. È là, l'ho vista, l'ho vista. Adesso l'ho vista. Sto coglione maledetto. Se ne vada a fa. Incredibile. Tu me rappelli un'epoca lointaine. Madonna. Je te retrouverai là où courra. Par pitié, que cette folie s'arrête. Posa di lancio. Che cazzo è sta roba? T'évanoui pas. No. No, no, non svenire. Vai, vai. Non svenire, puttana. No. Oh, mais les loin d'ici. Même si tu as mal. Vai, vai, vai. Che cazzo fai? Col braccio rotto. O slogato, non si sa, la spalla slogata. La c'est tout ce que tu as. Tu la connais bien. Alors utilise-la. Utilise-la contre eux. Madonna, ragazzi, ma quanto cazzo era difficile fare sta cosa con lui che ci inseguiva. Adesso vediamo se c'è chi ci aspetta. Oh, madonna. Bien sûr, vous avez échoué. Mais cet enfant n'a jamais vraiment été le vôtre. Il vit si fort en moi. Hugo ne pourra jamais guérir vos blessures. Ni combler ce vide en vous. Vous mourrez. Nous mourrons tous. Non! Je l'aimerais tant. Il rayonnera comme mille soleils. Il chassera les ténèbres et moi je... Eh beh, se gli uccidi la sua, però sarà incazzato nero. Témoin des premiers pas d'un dieu. Taisez-vous! Vous n'avez aucun droit sur notre famille! Amicia! Par quel malheur es-tu encore en vie? Où est Hugo? La porte, vas-y, cours! Non! Enfin! Pardonnez-moi, mais elle se bat comme une vraie lionne. Eh bien. Che cazzo dobbiamo fare qui, ragazzi? No, ma non possiamo combattere con una spalla rotta. Comment puis-je refuser une telle invitation? Je dois bien l'admettre, tu m'as pris de court. Quel phénomène! Tu me provoques. Tu crois de toute ton âme que tu peux triompher. Ma alla fine, coso, Arnaldo, che fine ha fatto? Oh, une telle abnégation. Minchia, ragazzi, ho preso la sprovvista, ho dovuto guardare anche il controller come i nabbi. C'est du feu qui circule dans tes veines. Mais les flammes dénuées de discipline ne font pas un soldat. Elles le consument de l'intérieur. Je ne suis pas un soldat. Oh, je sais. Tu te bats parce que tu n'as pas d'autre choix. Moi, j'ai choisi cette vie. Tu ne peux pas lutter. Vous parlez trop, pauvre lâche. Soigne ta posture. Ne te livre pas. Ah, ok, dai. Tiens correctement ton épée. Tu ne lui fais pas honneur. Ne te bats jamais pour te défendre, mais pour tuer. Arnaldo, dove sei? Ça ne change rien. Vous restez un lâche. Amicia! Qui es-tu pour oser me défier? La protectrice. Amicia de Rune. Oh, silence. Et je ne m'incline devant personne. Silence! Arnaldo, dove sei? Arnaldo, ti prego. Dai, un colpo di scena ci vuole. Tu vois? Tu sais bien t'incliner. Non! Non! Je vous implore, pitié! Assez.
d'une mère à une autre. Ça suffit, Victor. Nous ne sommes pas là pour ça. Oh oh. Je regrette. La guerre n'a pas épargné mon époux. Parfois, il peut se laisser emporter. Je vous admire. Vos enfants sont forts, vos liens puissants. Mais Arnaud, je veux savoir où est Arnaud. Quand j'avais son âge, je ne pouvais guère rêver d'un tel amour. Ne soyons pas égoïstes, cependant. L'amour est fait pour être partagé, et cette lumière infinie doit resplendir sur le monde entier. Arnaud. Car tel est le destin de l'enfant des braises. Dai, deve... No, vabbè, l'amour ragazzi, lo so che sono noiosa. Ma une fois que vous l'aurez compris, il sera trop tard. Però Arnaud deve arrivare. Pour vous, ça sera rapide. Je suis si fière de toi. Amicia, maman. Adesso la madre è veramente morta. Je me sens bizarre. Dobbiamo comandare Hugo, lo sa adesso. Sì. Amicia? Trova Amicia, ok. Bene ragazzi, direi che Amicia. Per questa puntata abbiamo dato, direi, basta. Luca, où est-ce que vous êtes? Io vi ricordo che la prossima puntata comanderemo il nostro amico Ugo e ci sarà da ridere. E niente, vi ricordo che potete iscrivervi al mio canale, attivare la campanella e cliccare il mi piace se vi è piaciuto il mio video. Vi lascio i link in descrizione per i giochi scontati su Kinguin Instant Gaming. E niente, ricordatevi di iscrivervi anche al mio canale su Instagram, di seguirmi e vi auguro un buon proseguimento e ciao a tutti da RanaGamer83, alla prossima!